Monsieur Sylvain Durin, bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation entretien. Alors, qu'est-ce que représente pour vous un événement comme celui de Chiré? Bah pour nous, pour moi personnellement, c'est une opportunité assez incroyable puisque quand on voit le monde qui passe ici et la qualité des visiteurs, on sait qu'on aura des très bons lecteurs. Et ça, pour un auteur, c'est assez excellent. Les gens posent des questions. En général, aucun autre futur lecteur ne pose ce type de questions. Donc on sait qu'il y aura une lecture active et on sait qu'on aura de bons lecteurs. Quoi. Et ça, pour un auteur, c'est vraiment très, très intéressant. Un bon lectorat, c'est pas seulement des gens qui viennent pour remplir leur collection de livres. Et c'est vraiment des gens qui sont intéressés par les sujets. Et on le sent par l'énergie déjà qui passe, mais aussi par les discussions qu'on peut avoir. Quoi. Et vous avez eu des bons retours de votre dernier ouvrage, Ce sang qui nous lie, pardon. Bah écoutez, de très bons retours, notamment parce que en fait la question des relations hommes-femmes aujourd'hui est traitée uniquement sous, à mon avis, deux angles. L'angle du féminisme, le combat contre le féminisme, etc., qui est une chose totalement... C'est un travail qui est totalement intéressant et qui mérite d'être fait, mais cette question n'est jamais vraiment traitée en profondeur, parce que le féminisme, c'est uniquement une conséquence. Moi, je parle du patriarcat et du matriarcat, et l'autre gros problème, c'est qu'on parle maintenant de masculinisme. Et le masculinisme, c'est ce que j'avais appelé un piège du féminisme, en fait. C'est un miroir du féminisme, et c'est une erreur. Le masculinisme, c'est pas du patriarcat. C'est d'une espèce de fausse virilité. Donc j'ai beaucoup de retours de jeunes, notamment, qui me disent, voilà, votre livre nous a permis de sortir de ce piège du masculinisme et du féminisme, et de voir un peu plus haut ce qui peut se passer, quoi. Vous avez également réédité un livre qui s'appelle « L'esprit familial de Monseigneur de Lassus ». Pourquoi ce choix de votre maison d'édition ? Écoutez, moi c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. J'ai dû le lire il y a une bonne dizaine d'années. Et je trouvais qu'il était passé un peu inaperçu par rapport à la conjuration antichrétienne, qui est le livre qui sort également en 1910 comme cette édition-là. Et ça faisait écho à mon travail sur le patriarcat, sur la famille, etc. Et aussi, surtout, j'ai fait une préface que j'ai appelée « L'éloge du patriarcat ». Ou au-delà de ce sujet, je remets aussi deux points en question dans le livre de Monseigneur de Lassus, qui est un chef-d'œuvre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a deux points qui sont problématiques. Il y a une confusion entre la famille souche, la famille traditionnelle et la famille patriarcale, ce qui n'est pas de la faute de Monseigneur de Lassus, qui vient, c'est en fait le livre à un siècle, un peu plus d'un siècle. Et à cette période-là, c'était Frédéric Le Play qui était vraiment l'inventeur de l'anthropologie, etc. Et qui a, assez étrangement d'ailleurs, on en parlait avec Pierre Hillard, assez étrangement, défini la famille souche comme la famille patriarcale. Chose qui n'est pas vraie. La famille patriarcale, c'est la famille nucléaire. Le père, la mère, moi j'utilise souvent la symbolique de la croix. Le père, c'est la partie verticale, la partie qui est ancrée dans la terre de ses pères à lui, mais aussi celle qui va vers le ciel. C'est aussi une ligne directrice vers Dieu le père. Et la mère qui est la mater, matérialité, la partie horizontale. Et quand la mère est assez élevée, c'est une belle croix chrétienne. Et quand la mère est basse, vous avez une croix satanique. Et donc là, on n'est plus dans la famille patriarcale, mais la famille patriarcale, c'est la belle croix avec une complémentarité entre le père et la mère. Et dans les familles souches, vous n'avez pas ça. Vous avez un espèce de chef de tribu qui gère ses enfants, mais aussi les enfants de ses enfants, les cousines, etc. Et on est plus dans la vision romaine, païenne, que dans la vision vraiment patriarcale. Et donc j'ai essayé dans cette préface d'expliquer ça. Et les lecteurs verront de mettre quelques notes de bas de page, vraiment très légers, pour que la lecture soit plus aisée et ne pas induire en erreur dans ces deux thèmes. Sinon, à 99%, c'est un chef-d'œuvre absolu et il faut absolument le lire, quelle que soit l'édition choisie d'ailleurs. Voilà.